Salut, nouveau vlog. On est samedi matin. Mes cheveux sont détachés. C'est assez rare, mais ça va, là j'aime bien. Ce matin, j'ai reçu un colis. C'est vrai que la marque m'avait prévenu, c'est une marque avec qui je suis en partenariat. Et il y a quelques semaines, elle m'a dit « Attends-toi à recevoir un cadeau ». Et je l'ai reçu, mais là j'étais pas prête. Énorme. Je vous le montre juste après, parce que là il faut que j'aille, j'ai reçu un avis de passage. Il faut que j'aille à la poste avant midi, il est 11h30, et je pense que c'est notre problème de fenêtre qu'il faut qu'on répare, sachant que le lundi, la poste est fermée, ça voudrait dire pas avant mardi, donc ça fait long. Il faut que je me dépêche. Et en rentrant, je vous montre ce que j'ai reçu. J'en profite, parce que je vois le manteau, j'y pense. Vous me demandez où je l'ai eu, je vous l'avais dit, c'était à Intersport. Et quel est le modèle? J'avoue que je sais plus, il faudrait que je regarde. C'est vrai qu'il est vachement pratique. Je vous ai pas dit, on est samedi midi. Et qu'est-ce que je fais parfois le samedi midi? Je vais manger chez ma maman. Ça sera juste après. Ok, merci. Je vais ouvrir ça et après je vous montre le gros paquet. Donc ça, je pense que c'est vraiment l'aérateur, je crois que ça s'appelle. Hop, c'est ça. Voilà. On n'a pas le choix, c'est une vieille maison, donc c'est vraiment ce qu'il faut. Et en fait, le truc, c'est que le diamètre, très très dur de trouver un diamètre de 19. Je crois que le standard, ça doit être un 12, un truc comme ça. Donc voilà, on l'a commandé. Et il est arrivé, j'allais dire ça, Eric. Et après, on monte dans mon bureau. Je vous présente mon cadeau. Le cadeau que j'ai reçu de la part de Jiffy. Oh, c'est énorme, il est énorme. Si je me mets à côté, attendez. Enfin, en gros, voilà, il m'arrive là. Et ça tombe tellement bien, j'avais pas de calendrier de l'avant en fait. Et là pour le coup, je sais pas, il y aura pas eu de spoil. Parce que je crois que c'est que les youtubeuses en partenariat qui le reçoivent. Par contre, ce qui est intéressant pour vous, c'est que bien évidemment, j'ouvrirai un cadeau tous les jours. C'est que des articles ou des nouveautés ou des prochaines nouveautés que vous pourrez trouver chez Jiffy. Oh, j'adore. Et Jack Café, qui a passé une heure autour. Oh, il est où le 1 hein? Il est où le 1 hein? Bah. J'ai l'impression... Ah, peut-être de l'autre... Ah non, il est là. Yes. Ah, Eric est content parce qu'il a installé le truc. Nickel. Bon, bah voilà, mon gros paquet. J'ai reçu le petit mot avec... disant donc, un calendrier de l'Avent rempli d'idées cadeaux plus magnifiques les unes que les autres. Il devrait t'inspirer de nouvelles vidéos pour tes abonnés, pour te remercier de ton implication. Ça fait plaisir. Il est midi et demi. Je pense que c'est bon, je vais pouvoir y aller. Et en rentrant, j'espère qu'on va pouvoir, enfin qu'Eric sera ok pour qu'on mette enfin les tringles, les rideaux, parce que ça commence à faire un petit bout là maintenant, et dans son bureau, et dans l'entrée, comme ça je pourrais mettre également et vous montrer mon portant, enfin non, mais comment on dit, porte-manteau, voilà. Je suis arrivée. C'est la croisière s'amuse, hein. Eh ben ça commence bien déjà. Une fois encore, c'était très très bon. Oh là là, attendez, je vous montre ça. Je crois que le programme va changer, je pensais aller faire un tour, mais... Vous voyez ou pas? Ah bah non, vous voyez pas. La pluie. Eh bah laisse tomber, je vais changer de programme. De toute façon, mais oui, on doit faire l'installation à la maison avec Eric. Oh là là. Je suis rentrée, on est dans l'entrée. On va mettre les petites tringles. Je vais nettoyer l'entourage d'abord. Je vais enlever ça aussi. Là, mon portant, il va aller ailleurs parce que bah, ça fera trop avec le porte-manteau. Et ça sera déjà pas mal. Par contre, je ne sais pas du tout où je vais le mettre. Ben non, maman, elle ne sait pas où elle va le mettre. T'as une idée, toi? Je vais le mettre là. En attendant, c'est pas vilain, hein. Bon, comme ça. Voilà, ça ira très bien. Et bah, on va continuer. Bah attends, c'est pas ça le plus important. Ah ouais, je peux quand même déjà enlever les plastiques qui sont dessus. Ça aussi. Il a mis déjà le drapé sur la table. Donc celui-ci, il fait 2,50 en longueur. Donc il y aura forcément un jour, c'est-à-dire en haut. Ça y est, on va s'y mettre. Mais il est déjà en train de râler. Il cherche un mètre... ruban. Je ne trouve pas, donc ça l'agace. Bon, je pense qu'une fois que ce sera fait, il sera content, mais c'est plus de 6 mètres, je crois. Ouais.
attention. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Attends, on dirait que tu vas... Oui, parce que ça me fait mimi bosser dans de mauvaises conditions. J'ai horreur de ça. Tu fais 2m50 lui? Oui. C'est ce qu'on a vu, hein. Ça, ça soit 2 cm plus petit. Donc 246. Je te dis bac plus 8 pour mettre le rideau. Mais tu veux que ça soit bien fait ou... Ça rigole plus, hein. C'est pas que ça rigole, mais tu veux bien le faire ou tu veux le faire... Oui, oui, bah faisons-le bien, mais je pense pas que mettre une tringle, fallait... Non, mais ça fait pareil. Ah bah oui, ça... Les gens, ils posent ça comme des... Tu fais vraiment des calculs mathématiques et tout. Ah, mais... T'as le matos pour couper? Je sais pas, faudrait que je vais voir dans l'atelier. Ça y est, j'ai terminé le montage du porte-manteau. Et bah mine de rien, c'était long, il y avait plein de trucs à visser et tout. Je l'aime beaucoup. Donc je vais aller l'installer. Et pour le reste, donc on a... Enfin, il a collé. Il a collé, il faut attendre jusqu'à demain matin. Là, de chaque côté, il faut attendre 12 heures que ça sèche. Et puis il faut qu'il coupe surtout à la bonne dimension les tringles. Voilà, et on a fait aussi dans son bureau. Alors, je l'ai mis là, en attendant, et je pense pas que ce soit sa place, que ça rende vraiment bien. Il est original quand même. Donc, il y a de fortes chances qu'il aille là, bah, une fois qu'on sera passé à la déchetterie. Je pense qu'il sera mieux ici, ou si c'est pas ici, bah, ça sera là, et je décalerai. Ça, c'est pas bien gênant, il y a juste des tests à faire. Avec du recul, ça donne ça. Et c'est sûr que quand il y aura le rideau, qui est dans les tons gris, ça sera encore plus sympa. Peut-être que je le laisserai pas là, peut-être que je le mettrai là, bah, le porte-manteau. Ouais, ça va, il est pas trop grand. Il est pas mal. Ouais, il est pas trop grand, ça. On va vite fait aller faire des petites coursettes. Il nous manque 2-3 choses pour être tranquille au moins demain, du beurre, des conneries. A tout à l'heure. On n'a pas pris grand chose. Tout petit retour de course au palin. Des œufs, ça. Il y a longtemps que j'en ai pris, j'ai eu envie. Les pims framboises, trop bon. Pour les petites tartines du matin, le Coca Light, enfin zéro même, je sais plus. D'Eric, sans sucre, voilà. Ça, vous avez déjà vu, je m'en lasse pas, elles sont tellement bonnes, ces petites escalopes milanaises finement citronnées. Bon, le citron, je le sens pas, mais voilà. Et ricotta épinard, bah pareil, hein, une valeur sûre. Et c'est tout, j'avais dit, c'est vraiment une petite coursette pour être tranquille au moins demain. Alors au programme, ce soir, hop, je vais faire le reste du riz, du long riz, vous savez que j'avais fait la dernière fois, avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, les escalopes, c'est trop bon. J'hésite, est-ce que je fais les marrons revenus dans le beurre, dans une poêle, ou les pâtes, ou tout. Ah mais non, je ne vais pas faire du riz et des pâtes, deux fois des féculents. Donc ça va être riz, ça et ça, ça va être très bien. Je sais que lui, Eric, ce soir, il joue en réseau. Donc, moi, j'ai décidé, parce que j'ai fini ma super série Counterpart. Excellent. Je vais commencer les films de Noël. Je sais que sur Netflix, il y en a. Notamment, il y en a un, je crois, vous m'avez parlé, c'est Un safari pour Noël. Mais alors, le titre ne me donne pas du tout envie. Bon, en même temps, je vais tous les regarder. Donc, mais je voulais commencer par un très, 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 très bien. Et je ne sais pas si c'est le mieux de cette saison. Donc, ça, c'est mon programme. Regardez-moi cette couleur. C'est le riz qui dégorge. On dirait... Comment ça s'appelle? Un coq au vin ou je sais pas quoi? Une sauce au vin, mais non. Alors, qu'avons-nous? Ah ouais, en effet, il y en a plein, en fait. L'alchimie de Noël. Flocons d'amour. Les secrets de Noël. Un amour à croquer. Pourquoi il n'y a pas celui que je disais, là, le safari? Parce que là, c'est dans les plus gros succès. Bon, mais en tout cas, j'ai de quoi choisir. Ça, c'est cool. Donc, bah, je verrai. Hop, on pose ça et, bah ouais, vous l'aurez deviné, c'est le moment de conclure. Bah ouais, je vais pas vous montrer, vous savez comment on fait le riz, vous voyez, je vais regarder ma petite série tranquillou. Et demain, donc comme je vous ai dit, on met du coup, hein, toutes les tringles, les rideaux partout, parce qu'il fallait que ça sèche. Il y a autre chose demain. Demain matin, je vais essayer déjà d'aller chercher du pain frais, je vais aller à la boulangerie. Et puis, il y a d'autres choses, je ne sais plus. Bon, je ne sais plus, vous verrez. Vous n'avez qu'à me suivre et puis vous verrez bien.
Donc, je vous fais un gros bisou et puis on se retrouve demain pour un tout nouveau vlog. Ok? Allez, salut!